Bonjour, bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle opportunité, très bonne opportunité dont les portes se sont ouvertes hier. Il s'agit de Ashnaga Foundation, qui a un programme uniquement pour les Africains. Et donc, je vous recommande d'aller sur votre page Google, vous écrivez Ashnaga Foundation et vous allez sur le website. Cliquez sur le website. Ça vous envoie directement à la page et vous voyez postuler à IAA, qui est l'initiative d'Ashnaga pour l'Afrique. Ok. Apply to. Ça, c'est le M apply en français. Donc, déjà, l'initiative d'Ashnaga pour l'Afrique, qu'on abrège IAA, est un programme international de leadership qui vise à développer la prochaine génération de leaders pour contribuer au développement de l'Afrique subsaharienne. Les boursiers de l'IAA sont des étudiants ayant perdu l'un ou deux parents, c'est-à-dire il faut être orphelin, orphelin de père ou de mère, ou être orphelin des deux parents pour pouvoir être éligible à la bourse. C'est quand même une bourse particulière, mais avec une belle mission. Et donc, ces boursiers-là sont amenés à retourner dans leur pays après le programme. On aura le temps de faire des vidéos de manière séquentielle pour pouvoir vous aider en fait à postuler à cette bourse. C'est un long processus et aujourd'hui, c'est juste donner l'information pour que vous-même vous puissiez faire des recherches à propos de cette bourse. Donc, qu'est-ce que l'Ashnaga fournit en tant que bourse? Voilà. L'Ashnaga prend en charge les frais de scolarité, de logement, de voyage et d'autres frais nécessaires, quoi. Tout ce qui est nécessaire pour vous, pour vous aider à postuler. Donc, déjà, on va voir d'abord les conditions. Donc, les conditions, il faut avoir perdu votre papa, votre maman ou bien les deux. Il faut avoir déjà terminé votre cycle secondaire, c'est-à-dire baccalauréat pour les pays francophones, exatad pour les pays Burundi et Congo. Et avoir une très bonne moyenne aussi, parce que Ashnaga prône vraiment l'excellence. Donc au moins ayez 14 de moyenne au baccalauréat ou 15 ou plus, pour avoir toutes les chances d'être retenu, parce que c'est vraiment vraiment compétitif, très compétitif. Et donc voilà, comme dernier délai pour présenter votre bac, c'est prévu pour le 9 février 2024. Faut venir d'un pays d'Afrique subsaharienne, il y en a 49, que ce soit un pays francophone, un pays lusophone, un pays anglophone. Il faut être né après le 1er septembre 2021. C'est-à-dire, si tu es né en 2021, tu peux postuler. Si tu es né en 2002, et il dit 2021, désolé, 2001, 2002, 2003, jusqu'à... Mais ceux qui ont 23 ans ne peuvent pas postuler à Ashnaga. Il faut avoir au moins 22 ans pour pouvoir postuler à Ashnaga. 21 ans, 19 ans, 18 ans. Des personnes qui peuvent démontrer qu'ils ont un manque de financement pour les études supérieures. Faut parler couramment le français, l'anglais ou bien le portugais. Des candidats aussi qui auront de très bonnes classes, de très bonnes moyennes en classe, j'ai déjà précisé. Ici, la note inférieure, c'est 13. Donc, de 13 à plus, plus, plus. Ceux qui peuvent aussi participer à ce programme sont ceux qui seront disponibles à participer au programme préparatoire d'Ashnaga qu'on appelle Student Camp, qui se déroule sur une année dans les différents bureaux régionaux de Ashnaga qui sont soit au Sénégal, soit en Ouganda.
Et aussi, voilà, des personnes qui n'auront pas, qui n'auront pas des parents qui vont s'interférer à leur poursuite vers les études étrangères. Et aussi, il faut être en bonne santé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de. Pas vraiment beaucoup de trucs compliqués pour pouvoir postuler à Ashnaga. Il faut d'abord être, pour récapituler, il faut être un orphelin et puis il faut avoir de très bonnes moyennes de classe. Il faut venir d'un pays francophone, d'un pays d'Afrique subsaharienne. Peu importe la langue que tu utilises, si tu es francophone, tu vas postuler en français. Donc après ça, vous cliquez sur ce bouton. Et pour la 11e cohorte, vous n'avez qu'à vous inscrire, vous cliquez sur inscrire et c'est tout, hein. Mais lisez, prenez le temps de pouvoir suivre toutes les informations parce que je pense que Ashnaga a vraiment toutes les informations. Il y a le FAQ qui est là, il y a le guide du candidat qui est aussi disponible, il y a vraiment tout. Et la date limite, c'est le 12. Ça, c'est pour la première étape pour voir si vous êtes éligible. Une fois que vous passez cette étape du 12 janvier, on vous enverra maintenant le formulaire d'application. Le formulaire d'application, c'est une excellente opportunité. N'hésitez pas à postuler et mettez des commentaires en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse vous assister. Merci, merci et bonne fin de journée.